Non, non, non. Vous rêvez pas. Dans le titre de la vidéo, oui, c'est une vidéo débrief. La dernière fois qu'on a fait une vidéo débrief, ben, Zidane, il avait des cheveux, je vous jure. J'adore rire. En plus, sérieusement, salut à tous les amis, c'est Barsati, j'espère que vous allez bien, moi ça super aujourd'hui. Ben, on se retrouve juste après le match. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. Franchement, vous avez été vraiment les boss, merci à vous. Et ben, merci à tous ceux qui sont pas venus, j'espère que vous viendrez la prochaine fois. Bien sûr, juste avant qu'on parle du match, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le sponsor de la chaîne qui est Mixfoot, voilà, qui vend tout simplement des maillots pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Vous avez de tout, même des survêtements NBA, des maillots NBA, vous avez de tout. Et en plus, les maillots sont à seulement 26€ et avec 10% de réduction avec le code BC. Donc du coup, n'hésitez pas à aller profiter, je vous mets tous les liens en description. Vraiment, plus sérieusement, mais quel match, 6-0 les gars, franchement, c'est incroyable. Après, on va pas se mentir, c'est un match amical, pas un match officiel, c'est contre une équipe mexicaine, c'est pas non plus Liverpool, t'as capté, c'est pas le Paris Saint-Germain et tout, mais ça fait toujours plaisir de voir le Barça dans ses grandes heures, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs dans cette rencontre. D'ailleurs, la première qui a été la connexion entre Pedri et Lewandowski, un but et deux passes décisives. Franchement, ça fait plaisir, ils ont été juste au top. Après, comme d'habitude, Xavi, en première période, c'est une autre équipe, et la deuxième période, c'est une autre équipe. Voilà, il fait changer, mais franchement, dans l'ensemble, vraiment très content. Je l'avais dit en plus dans le live, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous l'avais dit durant le live que Lewandowski a le numéro 9, du coup, il va faire un gros match. C'est ce qu'il a fait, franchement, ça fait du bien, parce qu'il y a du jeu. Il y a, en plus, il y a beaucoup de complicité, tu vois. Autant l'année dernière, je trouvais, c'était pas trop ça et tout, autant là, même si c'est un match amical, ben, on sentait, les mecs, ils étaient tous contents, ils se font tous des câlins et tout, et c'était vraiment assez incroyable. Il y avait aussi vraiment remarque, une petite remarque à dire, franchement, c'était magnifique. Vraiment, pour le dernier match de Dani Alves, je trouvais vraiment ça vraiment très émouvant. Il y a eu la photo avec Laporta, avec un petit trophée qu'il a eu ensuite à la fin dès qu'il est sorti, les applaudissements du Camp Nou, franchement, il y avait tout. Il y avait tout qui allait pour que ce soit un bon match. C'était vraiment un beau spectacle. D'ailleurs, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé le match, même si je doute fort que vous avez kiffé. Franchement, c'est incroyable. Lewandowski, on a eu que des beaux buts. Franchement, que des beaux buts. Avec, je m'en souviens, le but de Pedri avec la talonnade boom de Lewandowski. Il y a même eu à la fin, franchement, la parade d'Iñaki Peña qui m'a énormément surpris. Quelle parade main ferme sur la barre. Après, bon, ils ont fait marquer le but, mais franchement, je vois pas où il y a eu du négatif. Bon, peut-être Sergio Nodest qui est pour moi encore pas trop au top. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de négatif. Même Sergio Roberto a fait un bon match. Eric Garcia, bon, il n'a pas trop eu. En fait, la défense n'a pas trop eu de travail à faire. Donc, tu vois, t'as capté, ils n'ont pas fait un match pourri. Mais franchement, non, tout le monde a fait des bons matchs. Il y a eu un bon match du côté de Dembélé. Un très bon match aussi du côté de Baldé. J'ai beaucoup aimé sa percussion, ses centres et tout, sa vitesse. Franchement, Baldé, très intéressant. Et du coup, voilà les gars, donc vous, dans les commentaires, c'est pareil, dites-moi, faites-moi votre petit débrief en écrit. Bon, pas trop des romans, parce que je vous montre pas, des fois c'est un point de lire vos romans, mais vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé du match. Vous avez eu des points négatifs, des points positifs, dites-moi tout. En tout cas, les amis, c'est déjà la fin de ce débrief, de ce premier débrief de la chaîne YouTube. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Voilà quoi, j'espère que ça vous aura plu. Faites de bonnes, faites de beaux rêves. Dormez bien, je sais même plus quoi dire, tellement c'est tellement incroyable. Donc voilà, merci à vous, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.